Salut tout le monde, aujourd'hui on va sur une vidéo qui sera peut-être pas forcément très originale, mais on aura le mérite au moins de jouer un jeu qui lui est original. Et ce jeu, c'est Metal Slug sur Neo Geo MVS. Donc je vais commencer par le mettre dans le slot. Enlever la lumière. On allume le bordel. Et c'est parti. Ah, donc c'était la petite intro. On va commencer peut-être par mettre 2-3 pièces. Va se monter un petit peu le son. Voilà. Donc configuration des touches. On utilisera 3 touches, donc bouton A pour tirer, le B pour sauter et le C pour balancer les grenades. Pour sortir d'un véhicule, il faut faire bas plus saut. Et on peut lancer des grenades, enfin des missiles avec le véhicule en utilisant le même bouton que les grenades quand on est sur l'utilisateur, enfin sur le petit perso. Et next. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué, je vais essayer de pas trop être minable. Vous voyez le premier stage, j'ai oublié de préciser que je jouais en level 4, ce qui est pas... C'est pas hardcore, mais enfin, c'est le niveau standard en fait, pour le MVS. On peut y voir légèrement quelques lags qui est propre, voilà, comme ça, à Metal Slug 1 et le 2 lag beaucoup aussi. Ensuite, ils ont sorti le X qui réglait tous ces problèmes. On l'a raté. Ah,
merde. Putain. Merde. Un autre à gauche. Oh putain, je la connais un peu celle-là. En profiter qu'on est sur putain. Faudrait des munitions là. C'était chaud. C'était chaud, c'était chaud. Je ferai peut-être une seule vie, en fait. Je vais pas trop vous spoiler, même si, enfin, il n'y a rien de sensationnel à spoiler. Mais bon, c'est un jeu qu'on connaît plutôt bien. Allez, encore un petit peu. Sachant qu'à chaque fois, je suis mort pour des conneries. Oh non ! Encore une connerie ! Mort. Allez, ça veut dire je crois qu'il faut arrêter. Ça avait commencé tellement bien. J'ai fait n'importe quoi.
Allez, on va arrêter là. 7e. Donc voilà, c'était un petit aperçu de Metal Slug sur Neo Geo MVS. C'est moi.